Modanisa. Oups. Voilà, un colis de chez Modanisa. Voilà, comme ça, c'est bien. Oh, ça fait du bien. Oui, j'ai reçu mon colis de chez Modanisa. J'ai fait une petite sélection, quelques articles. Je sais même plus ce que j'ai choisi. Je sais même plus. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes là? Vous êtes là? Voilà. Bon, alors... ma caméra s'est éteinte, tout simplement. Il n'y avait plus de batterie. J'avais plus de batterie. Donc, du coup, je suis passée chez le dentiste dans le but de prendre un rendez-vous. Mais comme il y avait de la place sur place, donc du coup, voilà, j'en ai profité pour y aller parce que ça fait un moment que je me dis, il faut que je passe chez le dentiste pour faire ma visite annuelle. Et voilà, ouais, ça faisait un moment, donc j'étais bien contente de... Voilà, je suis bien contente d'avoir fait ça. J'ai pris un café vite fait, vraiment vite fait, bien fait. J'en ai profité pour répondre à quelques emails. Et là, ici, je vais me préparer tout doucement. Voilà. Franchement, c'est cool en fait que... En tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment cool d'avoir deux journées où vraiment je peux faire ce que je veux. Parce que je vous assure que... Voilà, quand vous bossez tous les jours, c'est quand même chaud, quoi. Les week-ends, moi, on est tellement occupé les week-ends avec les devoirs, les activités, les sorties, etc. Donc, j'aime bien avoir mon petit jeudi, mon petit vendredi, en sachant qu'il y a des fois où quand j'ai pas le choix et que on est sur un projet, etc. Il y a des fois où je vais bosser. Par exemple, je sais que la semaine prochaine, je vais devoir bosser le jeudi, mais voilà, c'est rare. Mais ouais, j'y tiens vraiment. Ça me, voilà. Je ne vois pas bosser à ton plein, c'est pas possible pour moi en tout cas. Alors, donc je voulais en profiter pour vous montrer comment le colis Modanisa arrive. Alors des fois ça arrive dans un carton, des fois ça arrive dans une enveloppe comme ça, plastique. Donc pour Singapour en général, j'ai jamais eu de taxe. Lorsque j'étais en France, ben non, en fait j'ai toujours reçu mes colis ici. Ah si, j'en ai reçu quelques-uns en France, non, je n'ai jamais eu de taxe non plus. Alors j'ai pas choisi énormément de choses, j'ai pris des robes. Ils ont franchement de super belles robes. Je sais pas, comme bon, on voit pas, non, elles sont pas là, je les ai retirées de là. Mais j'ai quasiment que des robes de chez Modanisa. Je pense que 70% de ma garde-robe c'est du Modanisa. Et vraiment, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de tout. Vous avez des abayas, vous avez des longues robes, vous avez des pantalons, des chemises, des blouses, des vestes. Vous avez vraiment plein de marques différentes et chacun peut y trouver son compte. Et c'est vrai qu'ils font très souvent des réductions. Vous avez en plus 15%. Je crois que c'est 20% quand c'est votre première commande avec mon code WithHasnabi que je vais vous mettre en barre d'information. Je vais vous mettre ici WithHasnabi en grand. Et... si ce n'est pas la première fois, c'est 15%. Voilà, je vous mettrai en barre d'information ce que j'ai choisi. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, puisque en général, j'aime beaucoup publier le contenu sur Instagram. Voilà, et j'ai choisi franchement de jolies robes de la marque essentiellement Refka et Benin. Benin, je ne sais pas si ça se prononce Benin ou Bénin. Bref, Refka et Benin, ce sont les marques en fait de Modanisa. Et ce sont des marques, vraiment, ils ont de très belles. Elle est magnifique cette robe! J'ai bien envie de la mettre tout de suite. Non, j'ai pas envie. Non, 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 je vais rester habillée comme ça. Elle est trop belle. Franchement, elle est sublime. Elle est sublime, elle est sublime. Ensuite, j'ai pris une autre robe ici, un peu différente. Vraiment, elle est trop belle la bleue. Vraiment, magnifique. Celle-ci, c'est une robe un peu plus passe-partout, toute simple. Quand je voyage, et ce que j'aime bien, c'est que c'est une robe qui se porte assez large. Vraiment très simple, vraiment très belle. Ce que j'aime bien, c'est que quand je voyage, en général, j'aime bien prendre des robes parce que je trouve que c'est beau, ça fait beau sur les photos. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram mes dernières photos. J'ai quasiment porté que des robes de chez Modanisa lors de notre dernier voyage au Vietnam. Je vais dire en Thaïlande, non, au Vietnam, que j'ai toujours pas monté. Vraiment que je m'en occupe et c'est vrai que ça rend beau, c'est super joli, c'est modeste, c'est joli et c'est simple, c'est une robe, une tenue, vous mettez vos sous-vêtements en dessous et voilà. Alors celle-ci en fait j'avais une rouge et j'avais trop envie de la prendre en blanc. J'ai quasiment le même modèle, c'est pas exactement le même mais voilà, est-ce que j'aime, c'est vraiment super beau, c'est du coton, ça fait très très féminin, très classe cette robe là. Ensuite j'en ai une autre ici. Oh, c'est quoi ça? Ça ne me dit rien du tout. Là, le tissu, je pense que je vais pas trop aimer. C'est quoi de ça? Moi, j'ai choisi... Ah, c'est un ensemble. Bon, là, le tissu, je vous avoue que j'aime pas trop. Vous voyez, ce genre de tissu, c'est un peu un tissu élastique. Donc, vous voyez, ça c'est un petit flop. Mais j'avais... C'est bizarre, hein, parce que je fais toujours attention. Je pense qu'en fait, j'ai fait confiance à la photo.
J'ai pas regardé la composition. Ça va, hein, mais c'est pas le genre de tissu que j'aime bien. Moi, j'aime bien les tissus en coton. Mais vous allez voir qu'une fois porté, ça va être super beau. Mais j'ai bien aimé la couleur de cet ensemble. Je sais plus où je l'ai vu cet ensemble. En tout cas, j'ai flashé dessus. Et voilà. Ensuite, ah oui, alors ça, les filles. J'ai la même en. J'ai cette robe en violet foncé. Et j'ai la même en vert. Je l'ai squattée. Non, je ne l'ai pas squattée, mais si, je l'ai quand même bien portée quand je suis partie au Vietnam. Et les photos sont magnifiques. Voilà, je vous en mettrai peut-être une ici ou là, on verra. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient fait celle-là, cette couleur-ci, un peu plus. Un peu plus discrète que la violette, elle vraiment, c'est un violet. J'ai la flemme d'aller la chercher en fait. Mais voilà, celle-ci, c'est un genre de rose poudré. Très belle. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, je vais la prendre. Et la dernière aussi, c'est une robe un peu plus classique. Je l'ai trouvée sympa. Je me suis dit, allez, why not. On dirait une chemise. En fait, on dirait un peu une chemise. Vous voyez, chemise, mais en fait, c'est une robe. Ça, avec une petite paire de baskets, je trouve que ça peut le faire même pour aller bosser. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux foulards et j'ai complété ma... vous voyez, j'ai plein de turbans comme ça à enfiler directement. J'ai pris le vert kaki que je trouve sublime. Regardez, hop, je vous montre. Oups. Voilà. Oups. Ah non, je l'ai en crème aussi par terre, il est tombé. Voilà. J'avais en fait les mêmes, mais tout simples. Et ils coûtent vraiment pas cher, hein, ce turban-là. Vraiment les tout simples. Attendez, je vais vous le montrer. La version vraiment tout simple que vous enfilez comme ça. Là, on va dire que c'est une version un petit peu plus sophistiquée. Et j'ai vraiment plein de couleurs. Et ce sont des turbans que je mets franchement régulièrement parce que... On va rentrer ça ici parce qu'ils sont juste super pratiques. Et donc j'ai pris le même en crème, voilà. Et j'ai pris deux hijabs. Deux hijabs d'une marque que je ne connaissais pas. Je me suis dit, allez, je vais la tester, on verra. C'est la même marque, c'est la marque Les Bonnes, c'est la même marque. J'ai vu qu'ils faisaient des châles. Et vous voyez, c'est des châles, c'est pas du coton, je ne sais pas c'est quoi comme matière. C'est une matière vraiment très simple. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc du coup, j'ai pris un genre de beige vert. Et j'ai pris un noir. Tout simple, comme ceci. Et voilà pour ma commande, madame Lisa. Tout est bien arrivé. Voilà, je vais quasiment pas me maquiller en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu de Vichy Laboratoire Capital Soleil SPF 50 anti-tache 3 en 1, soin quotidien teinté. Je l'ai acheté la dernière fois que je suis rentrée, quand je suis partie en France. Voilà, parce que les produits ici, ça coûte trop cher. Voilà, quand on ramène de l'étranger, c'est toujours plus cher, mais c'est vraiment c'est genre 3-4 fois le prix quoi. Donc du coup j'ai pris celle-là. Et en fait ce qui est bien, c'est qu'il y a un genre de un peu de teint dedans. Donc du coup bah voilà, ça protège, en même temps ça unifie le teint. Donc je vais juste mettre ça et quelque chose sur les lèvres. Il me faut un miroir en fait, j'ai pas de miroir. Et il y a pas de retour là ici sur le cas de la caméra. Je vois pas ce que je fais. En fait, je vois même pas si je filme. J'espère que ça filme. Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something deceives us, close but we're strangers.